Liang ouvrit la porte. Il la reconnut. Elisa! Liang la fit entrer, la présenta à son épouse Na et leurs deux enfants, Kang et Jiao. Voici ma fille. J'ai aussi un petit garçon, Tom. C'est un petit diablotin. Mon mari et moi avons décidé d'avoir recours au service d'une gouvernante qui devrait arriver dans quelques jours. Liang s'approcha de la petite fille. Bonjour, ma jolie. Liang et Elisa se rappelèrent les bons moments passés ensemble. J'ai connu Liang, j'avais 15 ans. J'étais sa petite amie de l'époque. Malheureusement, les circonstances de la vie nous ont éloignés. J'ai suivi mes parents, car mon père partait travailler à l'ambassade de Chine à Paris. Ce départ précipité me plongea dans un chagrin immense, surtout que je t'aimais beaucoup. Je suis partie sans la moindre explication. Je comprendrai que tu m'en veuilles encore aujourd'hui. Liang prit les mains d'Elisa dans les siennes. Pourquoi t'en voudrais-je? La vie est ainsi. Parfois les chemins se séparent pour permettre à chacun d'entre nous de cheminer vers sa destinée. Elisa sourit. Je dois admettre que ta destinée t'a menée sur un chemin particulier. Je vous remercie vraiment, ton épouse et toi, d'avoir contribué à donner de la joie à nos enfants, par la grâce du lotus doré. Chaque soir, ma fille me demande de lui raconter l'histoire du lotus doré. Son rêve était de voir les lotus s'éclairer dans ton jardin. Dans quelques minutes, la nuit va tomber, tu vas pouvoir admirer les lotus, dit-il à la petite Émilie, déjà tout excitée à l'idée d'assister en privilégié à ce beau spectacle. Liang ouvrit la porte-fenêtre arrière de sa maison, donnant vers son jardin. Émilie poursuivit son récit avec émotion. Je me souviens de ce moment magique, ma mère et mon père enfin réunis, avec mon petit frère et ma petite sœur. Seul manquait Tom. Quand les illuminations prirent fin, nous repartîmes en direction de notre hôtel. La phrase que ma mère prononça ce jour-là est restée gravée dans mon cœur. Elisa regarda mon père dans les yeux, en affirmant: Un jour, une vérité te sera révélée et tu en découvriras le trésor caché. Tu veux connaître la suite des aventures d'Angèle? Il suffit de t'abonner, tu recevras chaque semaine des nouvelles vidéos. Si tu veux, tu peux me laisser des likes, ça fait toujours plaisir.